Bonjour, je suis Madame Agré à Kouba Angola. Bienvenue dans mon restaurant. Venez. Mon dernier diplôme, c'est un master en administration des affaires, donc un MBA en business administration. Et mon dernier emploi, à vrai dire, j'ai commencé directement avec l'entrepreneuriat, donc dans la vente de vêtements. L'idée du restaurant nous est venue à moi et mon époux depuis 2014. On a mariné l'idée, on a vu l'idée dans tous ses contours. Pourquoi cette idée? Parce que, étant résident à l'étranger, bon, là maintenant on est en Côte d'Ivoire, on vit ici, mais étant résident à l'étranger, on venait souvent en vacances et tout, on avait envie d'aller manger, de manger africain. Vous savez, quand vous ne vivez pas en Côte d'Ivoire, vous ne vivez pas dans votre pays, la nourriture de votre terroir vous manque énormément. Donc quand vous venez, c'était compliqué d'avoir des restaurants typiquement africains pour pouvoir avoir des mets qui allaient être comportés dans des mesures d'hygiène et tout, acceptables pour nous. Il faut dire que quand on est rentré, on n'a pas tout de suite commencé avec le fast-food, on a commencé d'autres activités, donc on a eu le temps voilà, de cerner tous les contours et tout dans les affaires au niveau d'Abidjan et tout. Mais il faut dire qu'on a eu des difficultés quand même dans les débuts, il n'y a pas longtemps qu'on a commencé le fast-food, on a eu des difficultés, surtout au niveau de la main-d'œuvre du recrutement, parce que avec toutes les attentes qu'on avait, avec les standards qu'on s'est posés comme objectif et tout, c'est compliqué d'avoir vraiment une main-d'œuvre qui allait comprendre. Des prix qui vont en moyenne de 3000 francs, 3500 et tout. Franchement, tout Ivoirien peut se permettre de venir manger ici. On sait que les Ivoiriens aiment les bonnes choses et toutes les bonnes choses à un coup. On a voulu mettre vraiment sur place un service, on a voulu mettre le cadre idéal pour que ceux qui viennent manger ici soient à l'aise. La plupart du temps, on va quoi manger ce genre de repas là, manger un bon plat cali et une sauce bombo, il faut aller dans un glo-glo. On a voulu vous procurer un fast-food agréable ou quand vous entrez Instagrammable comme on le dit, vous pouvez prendre des photos et tout parce que c'est bien fait et puis vous êtes assis, vous êtes à l'aise avec la climatisation et vous mangez ces plats là à 3000 francs en moyenne. Donc, pour nous en tout cas, on s'est dit que c'est accessible, voilà. Bientôt nous aurons le deuxième Dabaya Express et nous comptons en tout cas jusqu'à la fin de l'année avoir au minimum 3 Dabaya Express au niveau d'Abidjan et essayer de préparer maintenant notre expansion sur l'intérieur du pays et pourquoi pas la sous-région.